belle. Merci. Oui, Véronique, c'est Sylvie. Écoute, chérie, ce matin, je peux toujours rien dire au téléphone, mais je suis en danger. En danger de mort. Voilà, est-ce que tu peux me rappeler le plus vite possible à l'hôtel Normandie? Je t'en prie, Véro, j'ai plus que toi. Mademoiselle, avez-vous besoin d'une couverture supplémentaire? En tout cas, moi je vous le dis, à force de nous presser comme des citrons, un de ces jours ça finira mal. Je croyais que vous détestiez les vacances, Francis. Ça fait plus de 2 mois que j'ai déposé ma demande de congé. Si vous voulez, je parlerai à Christine. Ah non, surtout pas, Isabelle. Hein. Qu'est-ce que vous êtes pénible, c'est pas possible. Alpha, répondez. Donnez-moi ça, vous savez même pas vous en servir. Allez-y, Alpha, je vous écoute. Bagarre ou agression en cours à l'hôtel Normandie, pas d'autres précisions. Bon, on est tout prêt, on arrive. Je prends le volant? Non, montez. Comment vous me parlez? Je suis adjudant chef, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis de mauvais poil. Ça, j'avais remarqué, hein, merci. J'ai entendu crier. Ok, merci. Prenez l'escalier, Francis, je prends l'ascenseur. Chambre 47. Merci, madame. La minuterie, monsieur, le bouton sur votre droite. Ne vous occupez pas de moi, il est parti par là. Madame Gomez, vous l'avez vu? Il est parti par le couloir du fond. Ok, prévenez Sam, mais vite! Oui, une Renault blanche. Immatriculée dans le 51. C'est tout ce que j'ai vu. Merci, c'est bien. Un vrai coup de chance, hein. La balle a ricoché sur votre étui à cigarette. Ouais, un coup de peau, surtout que je fume pas, c'était un cadeau pour le capitaine. Grâce à ça, aucune artère n'a été touchée. En 2 jours, vous êtes sur pied, mon vieux. Bon courage. Ah, pardon. Merci, Med. Salut tous les deux. Quel con, mais quel con. Qu'est-ce que tu racontes?
J'ai complètement oublié cette putain de minute. Mais tu t'en sors plutôt bien, tu sais. Puis y a rien de tel qu'une belle petite blessure de guerre pour frimer sur la plage. Hein? La plage, quelle plage? Non, rien. T'es sûr que ça va aller? Ouais. Bon. Quelqu'un a trouvé l'arme? Sylvie Lambert, 28 ans, née à Joigny. Et apparemment, l'argent n'est pas le mobile du crime. Hein? On ne vole pas que de l'argent, Isabelle. Des maillots de bain, des t-shirts. Aucun vêtement chaud en cette saison, c'est un peu bizarre, non? Je prends les étiquettes collées sur son sac, elle est arrivée tout droit de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Dites-moi, c'est pas le père de Nicolas, votre mari, qui vit en Guadeloupe depuis quelques années? Mon ex-mari, en effet, aussi. On fera un listique de tous les appels passés aujourd'hui sur ce poste. Pas de problème. Merci. Je suis en danger de mort. Voilà, est-ce que tu peux me rappeler le plus vite possible à l'hôtel Normandie? Je t'en prie, Véro, j'ai plus que toi. Ma sœur m'avait déjà appelée il y a une huitaine de jours de Guadeloupe pour me dire qu'elle se sentait en danger et que... Enfin, sans détail supplémentaire. Mais pourquoi vous n'avez pas prévenu la police ou la gendarmerie? Parce qu'elle voulait pas du tout en entendre parler. Elle m'avait simplement dit qu'elle rentrerait en métropole le plus rapidement possible et qu'elle avait des tas d'ennuis. C'est tout. Ça lui arrivait souvent de vous appeler au secours? Jamais. Depuis que notre mère est morte il y a 5 ans, elle a complètement coupé les ponts. Enfin, j'ai jamais reçu ni un coup de fil, ni une lettre, ni quoi que ce soit. Vous, de votre côté, vous avez essayé de l'appeler ou... Non. Vous savez, moi et ma sœur, on était très différentes l'une de l'autre. Elle avait choisi une vie et moi, j'en faisais pas partie. Je m'aperçois que je la connaissais pas du tout. Pas plus que vous, d'ailleurs. Bien. Vous pouvez rentrer chez vous, mademoiselle Lambert. Merci. Je suppose qu'il faut que j'aille reconnaître le corps à la morgue et que je m'occupe des formalités pour les obsèques. Vous savez si ma sœur avait de l'argent? D'après ce que nous savons, elle était en rouge à la banque. Avec Sylvie, ce sont plutôt des mauvais souvenirs qui sont... C'est peut-être ça ce qui est le plus triste. Au revoir. Oui, j'écoute. Oui, attendez, je note. Merci. Il a trouvé calciné dans la banlieue lyonnaise et le type a loué une voiture avant-hier au guichet de Satolas. Un dénommé Oscar Kunda. Voilà. Type inconnu des services, mais originaire de la Guadeloupe. Je t'assure, Christine, pour la première fois de ma vie, je me suis trouvé face à ma mort. Incapable de réagir, complètement paralysé. C'est pas grave, c'est pas grave d'avoir eu peur. T'en fais pas. Maintenant, je suis là. Je vais m'occuper de toi. Pas de regrets pour les vacances? Partiras quand tu seras rétabli. Alors, comment va notre héros? Notre héros est un peu fatigué. Et pas très héros. Alors, quoi de neuf? Le juge d'instruction vient de nous délivrer une commission rogatoire pour qu'on poursuive l'enquête en Guadeloupe. J'aurais préféré emmener l'équipe au grand complet, mais les circonstances en ont décidé autrement. Maintenant, il va falloir que j'annonce ça à Nicolas. Ça va pas être facile. Bon, reposez-vous, Francis. Au revoir, Christine. Ouais. Isabelle, je vous appellerai un petit peu plus tard. D'accord. Si, papa, je t'assure, c'est le fils de Liliane qui me l'a dit tout à l'heure. Il paraît que maman part demain avec Roussillon. Tu parles. Elle ne me sera jamais venir avec elle. Comment ça, un stratagème? Et tu crois que ça pourrait marcher? Attention, la voilà, je te laisse. Oui, d'accord. Salut, papa. Ça va, mon ange? Oui. T'es au courant pour la Guadeloupe? Ouais. Nico, je suis désolée, mais je peux vraiment pas t'emmener.
La Guadeloupe, je connais déjà. Et puis sans travailler, c'est vachement bien quand on y pense. Et je sais qu'avec ton boulot, c'est pas possible. Et puis... Et puis ? Non, rien. Écoute, Nicolette, t'as commencé une phrase, tu l'as finie ? Ben, je te l'ai pas dit, mais la dernière fois que je suis allée voir papa... Enfin, j'ai bien senti que je dérangeais un peu, quoi. Que tu dérangeais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben ouais, c'est normal. Il a ses amis, son bateau, sa vie, quoi. Quand il me voit, il a pas grand-chose à me dire. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé ? Pour pas t'embêter. Bon, je vais prendre mon bain. Nicolas, je dois partir là. Mais rappelle-moi demain pour me raconter ce qu'a dit ta mère. T'embrasse. Dites-moi, Isabelle, ça vous fait pas trop peur ce petit tête-à-tête avec moi ? Justement, je voulais vous en parler. Attendez-moi, j'arrive ! Moi, ça, tu vois, un infirme. Non, mais laisse, je porte l'infirmerie. Et ta blessure ? Quelle blessure ? Je suis en pleine forme. Le médecin a dit qu'un petit peu de soleil, ça serait bon pour la cicatrisation. Bah ici aussi, il y a du soleil. Hein. Il n'est pas question que je vous laisse retrouver ce salopard sans moi. Attention ! Bon, ben laisse, donne-moi ça. Merci pour tout, hein, Isabelle. Maman ! Nicolas, dépêche-toi, tu vas finir par être en retard. Viens, lui aussi ? Oui, c'est pas moi qui ai demandé à venir. Hein. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. J'avais un petit peu la trouille de ce tête-à-tête avec vous, comme vous dites. Très bien. T'as même dit au club, Nicolas ? Tu m'appelleras ? Bien sûr. Et merci de ce que tu as fait avec Isabelle. Ben, c'est normal, tu sais. Fais attention, hein ? Oui. Même pas mal. Au revoir ! H-5 heures de décalage. Allez, on y va. Attention. C'est pour rien qu'on me dira. Laisse, Francis, laisse. On est là. On est là. Embarquement immédiat. Lieutenant Nelson. Adjudant-chef Laurent. Oui, gendarme Broussillon, adjudant Rivière, et j'oubliais mon fils Nicolas. Vous avez récupéré vos armes de service. Oui. Alors allons-y. Sympathique. Ouais. Ainsi, la métropole a estimé qu'on ne faisait pas le poids pour mener cette enquête tout seul. Il n'est pas question de ça, mon lieutenant. Nous savons tous que cette affaire n'aboutira pas sans votre collaboration. Ouais. J'aimerais bien voir vos têtes si les rôles étaient inversés. Si c'était nous qui débarquions chez vous, la gueule enfarinée. Hein. Collaborer, collaborons. Kunda Oscar, d'abord. Pas plus connu chez nous que chez vous. Sans doute un pseudonyme. Belle déduction, adjudant. Kunda a bien pris un billet aller-retour pour Lyon mardi dernier, et puis... Mon lieutenant, je sais que vous êtes mon supérieur hiérarchique, mais c'est une affaire qui me concerne personnellement. Personnellement, vous saisissez ? Adjudant Rivière a été blessé par balle par ce Kunda. C'est l'une des raisons essentielles de notre présence ici. Ah, excusez-moi, je l'ignorais. Le personnel navigant interrogé par nos soins s'est révélé incapable de nous apprendre quoi que ce soit sur Kunda. Et Sylvie Lambert ? J'ai appris 10 minutes avant votre arrivée qu'elle avait occupé une chambre ici même, dans un hôtel du coin pendant quelques semaines. Pas dégueulasse l'hôtel de Sylvie Lambert ? N'en rêvez pas, Rivière.
Allez, souvenirs, souvenirs, madame, regardez les bijoux, les foulards, les madrasses, les belles choses pour le garçon. Tout. Oh, ça, je fais mon travail, moi. Oui, eh bien, nous aussi, tout. Hein? Alors, laisse-nous bosser, tout. D'accord? À plus tard, hein, princesse. Au revoir, Joe. Lieutenant Nelson. Bonjour, Christian. Bonjour. Permettez-moi de vous présenter des collègues des métros. Ouais, pas besoin de me le dire. Juste à regarder leur visage. Christian Sénéchal. Adjudant chef Florent. L'adjudant Rivière, Roussillon et mon fils, Nicolas. Nous préparons une petite fête pour ce soir au bord de la piscine. Merci, c'est gentil. Pourquoi? Tu veux pas aller me chercher un verre d'eau? On verra. Ah si, non, vous êtes les bienvenus. Comment? Je peux aller voir la piscine? Oui, mais tu te baignes pas pour l'instant, d'accord? Ok. Alors, on balade en Guadeloupe? Malheureusement, mes collègues ne sont pas là pour des vacances. Hein. Enfin, théoriquement. Le point à 5:30 à la brigade. 5:30. Très bien, mon lieutenant. Monsieur Sénéchal, on nous a dit que Sylvie Lambert avait séjourné chez vous ces derniers temps. Sylvie Lambert? Pourquoi? Il est arrivé quelque chose? Suivi à la lettre. C'est Manu qui m'a prêté un maillot. Elle est trop géniale. Bonjour, dame. Ah, je vous présente ma femme, Brigitte. Bonjour, madame. Isabelle. Ah, et le petit dauphin qui barbote, là, c'est Manu, notre garçon. Je suis désolée, mais c'était un vrai supplice de tantale pour votre fils. Hein. Supplice, c'est le même pour la mère, croyez-moi. Alors, tu t'es fait un nouveau copain? C'est bien, mon garçon. J'ai cru comprendre que vous cherchiez à vous loger. Oui, mais ça va pas être facile en cette saison. La chambre de cette pauvre Sylvie Lambert est libre maintenant. Cette pauvre Sylvie Lambert? Oui, je t'expliquerai, ma chérie. Et je crois en plus qu'un couple s'est décommandé ce matin. Malheureusement, je crains que votre standing ne corresponde pas au budget qui nous est royalement alloué. Nous faisons des prix très raisonnables. Non, mais je verrai. À plus tard. Allez, on y retourne. 3, 4, oui! Pour combien de temps? Ils ont 3 jours pour commencer. Bon séjour chez nous, monsieur. Merci. Avec vous, Hyacinthe, il commence sous les meilleurs auspices. Quelle sale histoire. La chambre de Sylvie Lambert. La vôtre, si elle vous convient. Le ménage a été fait récemment? Tous les 2 jours, à fond. On n'a rien trouvé ici. Elle avait payé sa chambre? Ok, oui, pas de problème. Vous avez pensé à jeter un coup d'œil sur son bateau? Quel bateau? Ben là, au port de Plaisance, c'est loin d'emplacement. Vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Tu ne crois pas que t'en fais un peu trop, là, Nico? Ça veut dire quoi? La capitainerie, c'est là. Ah, papa! Nicolas! Ouais! Wow, on y va, tu pèses ton poids, toi. Isabelle! Quelle surprise! Pourquoi vous n'avez pas prévenu que vous veniez? Mais parce qu'on voulait pas te déranger. Merde! Quel acteur, ton père, c'est quelque chose. Hein. Ah, il nous a démasqués, là. Alors, Pierre Roussillon, Hervé, le père de Nicolas. Comment t'as découvert notre stratagème? Des formations professionnelles, Nicolas. Et si je t'avais demandé normalement de partir avec vous, t'aurais dit quoi? Savoir, d'abord, il aurait fallu me le demander. Tu vois? Je passe te prendre pour le déjeuner, d'accord? Oui. Quel numéro 3? Un catamaran, l'Adélaïde 2. Tu peux pas le rater. Ah, je ne suis pas gendarme. Tu ne parles de moi à personne. Mm-hmm. Toi non plus, Nico, d'accord? Alors, ça te dit quelque chose? Oui. Oui, elle a un bout du ponton, là. Le balisier. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. On y va, Roussillon? Isabelle. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Hervé. Allez, Moussaillon, on pousse! C'est bizarre d'imaginer que vous étiez avec ce type il y a 10 ans. Moi aussi, ça me fait bizarre.
Ah, bah, le ménage a été fait ici aussi. En grand, même. Faites attention aux empreintes, Pierre. Ah, ouais. Sylvie Lambert savait ou détenait quelque chose d'important. En tout cas, quelque chose de suffisamment grave pour qu'on la suive jusqu'en métropole, qu'on la frappe et qu'on la tue. Moi, je crois surtout qu'on l'a tuée pour qu'elle se taise. Alors pourquoi mettre à sac tous les endroits dans lesquels elle a séjourné? Ah ben, ils ont même piqué le livre de bord. Comme si on avait voulu effacer toute trace de son passé. Ouais, ou brouiller les pistes. Un bateau, les Antilles... L'ouverture rêvée sur un paquet d'îles, l'Amérique du Sud, la déduction est simple, non? Stupéfiant. Vous avez dit stupéfiant? Moi, j'ai dit stupéfiant? Oui, vous avez dit stupéfiant, oui. C'est étrange, ça. C'est stupéfiant. Tous les mouvements des bateaux sont en effet consignés dans ce registre. Pour quelle raison? Malgré le GPS, nous aimons bien savoir où sont les plaisanciers en cas de gros temps ou de tempête. Ensuite... Ensuite? Et regardez... Le balisier prévoyait de prendre la mer dans 2 jours, direction Sainte-Lucie. Vous permettez? Je vois là qu'un autre bateau doit appareiller pour la même destination le même jour. Et en effet, le Tzigane, direction Sainte-Lucie également. Feuille de route déposée il y a 2 jours exactement. 2 jours? Soit le jour de la mort de Sylvie. Vous pensez que Tzigane pourrait faire le trajet à la place du bateau de Sylvie? Appelons ça une hypothèse. Monroe, c'est le nom du skipper? Ouais, skipper, oui. On peut dire ça. Je te laisse la bouteille? Ouais. Répète. Bonjour. Ouais. On nous a dit qu'on pourrait louer un bateau ici pour une croisière. Qui vous a dit ça? Un pêcheur sur le port. Il nous a parlé d'un certain monsieur Monroe. Oh. Il est là. Ah, bonjour, monsieur. Ça serait possible pour mon mari et moi, 2-3 jours, hein, pas plus. Bon, vous voulez savoir vos tarifs, quoi. On pourrait en discuter. Ça t'intéresse, ce qu'on dit? Venez avec moi. Merci, au revoir. Notre séjour ne doit pas durer très longtemps. Ce serait bien d'organiser ça rapidement. Quand? Après-demain, hein? C'est pas possible. Même si on met le prix? Je vous ai dit que j'étais pas libre pendant 3 jours. Alors foutez-moi la paix. Gendarmerie nationale, monsieur. Maintenant, on va parler. Bande d'enfoirés. Poliment aussi, hein? Lucien! Tu vas, toi? Isabelle, les menottes. Oui, et quelle menotte, Roussillon? Quelle menotte? Alors, monsieur Monroe, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas très malin de vous comporter comme ça avec des représentants de la force publique. Surtout quand on a un casier judiciaire chargé comme le vôtre. Fraude, escroquerie, vol. C'est le passé, tout ça. Maintenant, je suis rangé. Ça tombe bien. Comme ça, vous allez nous raconter votre petit voyage d'après-demain. J'ai rien à dire de plus. Je vais chercher des touristes à Sainte-Lucie. Un point final. Qui vous a contacté? Des amis. Leur nom? Si vous n'avez rien à vous reprocher, je comprends vraiment pas votre attitude. On a trouvé 10 000 francs en liquide sur vous. D'où viennent-ils? Mes économies. Refus d'obtempérer, délit de fuite, coups et blessures sur un agent de la force publique. Vous savez combien ça va chercher, ça? Très loin. Télescope. Allez, en chambre de sûreté. Votre petite balade en mer d'après-demain me semble un peu compromise, monsieur Monroe. Oui, bien sûr. Nous connaissons ici les trafics les plus divers. Stupéfiants, bien entendu, mais aussi cigarettes, alcool, enfin, comme en métropole. Ah, trafic de jeunes femmes et d'enfants aussi. Merci, ma chérie. Concise.
Excusez-moi. Non, merci. Merci. Oh, merci. Allez, santé, collègue. Santé. 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 La vôtre. De mon côté, je suis resté à l'hôtel. La femme de ménage n'a rien remarqué de spécial dans la chambre de Sylvie. Les voisins non plus. Apparemment, elle avait une existence tout à fait discrète. Et ses sources de revenus? Un vrai mystère. Non, l'héritage de ses parents. Ah bah si je comprends bien, c'est le fameux héritage qui a financé entièrement l'achat de son bateau. On en revient donc à l'hypothèse d'un trafic entre Sainte-Lucie et la Guadeloupe. Ceci dit, j'ai fait mettre sous surveillance le bateau de Sylvie. Des techniciens d'investigation le fouilleront de fond en comble dès demain matin. Je vous resserre? Avec plaisir. Le problème, c'est que ça donne soif. Deuxième objectif, Monroe. Je crois qu'il faut qu'on continue à le cuisiner. Vous ne craignez pas qu'à l'interpellation, on se prive de toute chance de remonter la filière? Enfin, si filière il y a. Alors il faut le relâcher. Lui laisser faire son voyage comme prévu, sous étroite surveillance, bien entendu. N'ayez pas peur qu'en pleine mer, on se fasse repérer. Vous avez une meilleure idée? Au revoir. Oh, princesse! Joe! Décidément, vous êtes partout en même temps? Partout, et même ailleurs. J'ai croisé votre fils tout à l'heure, sur le pont. Je cherche un voilier. L'Adélaïde 2, ça vous dit quelque chose? Méfiez-vous du capitaine de ce bel esquif, princesse. Ah bon? Pourquoi? C'est un doux charmeur. Je savais déjà ça. Enfin, c'est là-bas, à la marina. Ok. À bientôt. Hé, princesse. Tenez, pour le petit prince. C'est gentil. Au revoir, Joe. Je te jure, t'aurais dû voir la tête qu'elle faisait quand je lui ai dit que je voulais aller en colo. Et elle t'a cru? Tu parles qu'elle m'a cru, ouais. Attention, la voilà. Ah ouais. Regarde, maman, les crabes qu'on a attrapés avec papa. Vous êtes la bienvenue. Et tu sais comment ils s'appellent, ces crabes? Des tourlourous. Non, pas des tourlourous. Des touloulous. Arrête. Tu as mangé? Non. Le crabe, ça se mange avec les doigts. Mmh, c'est délicieux. C'est toi qui as fait ça? Oui. Ça fait des progrès, dis donc. Oui. Qu'est-ce qu'il a grandi? Lui, il grandit et moi, je vieillis. Rassure-toi, je n'échappe pas à la règle. Oh, toi, tais-toi, hein. Toi, t'es magnifique. Sylvie Lambert. Sylvie. Ah, j'assais le militaire et revient au galop. Sylvie Lambert a été assassinée, c'est la raison de ma présence ici. Merde. Qu'est-ce que je pourrais te dire, moi? Je la connaissais un peu, on se croisait sur le port, sur... Et son bébé. Quel bébé? La dernière fois que je l'ai aperçue, il y a 3-4 semaines, elle avait un bébé avec elle. Sylvie n'avait pas d'enfant. C'était peut-être celui d'une amie. Et le tzigane, ça dit quelque chose? Tu sais, les marins, on est une famille. On s'entraide, mais on pose jamais de questions. Oui, oui, je sais. L'omerta, la loi du silence. Chacun fait son petit business dans son coin et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est ça? Moi, je convoie des bateaux. Hein? J'organise des croisières, je balade des touristes. Je gagne ma vie tout ce qu'il y a de plus honnête, ok? C'était pas ma question. Ah bon? Alors c'était pas ma réponse. Hervé, Sylvie faisait sûrement du trafic avec les îles voisines. C'était un marin comme toi, elle faisait partie de ta famille, c'est ce que tu m'as dit. T'as pas envie de savoir qui a fait le coup? Mais puisque je te dis que je la connaissais pas, cette fille, moi je la fréquentais pas, en tout cas pas suffisamment pour lui acheter de la coke, de l'héros ou des kalachnikovs, je sais pas moi. Pourquoi vous vous disputez? Ah mais on se dispute pas. On se dispute pas, Nico. C'est notre manière normale de parler à ta mère et à moi. Depuis toujours. Hein? Pas vrai? Thank you.
père de Nicolas a vu Sylvie Lambert avec un bébé. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Sylvie Lambert qui n'avait pas d'enfant. Ça ne vous rappelle rien ? Le lieutenant Nelson nous a parlé d'un trafic d'enfants entre l'Amérique du Sud et les Antilles. C'est peut-être une piste à explorer. Demain. Parce que ce soir, je suis complètement naze avec le décalage horaire. Merci. Je vais... Bonne nuit. Isabelle, je voulais vous dire quelque chose. Je vous écoute. Voilà, c'est la première fois qu'on tente de m'abattre froidement, que j'ai la trouille. Alors, je me pose des questions. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Pourquoi tant de haine ? Vous voyez ? Des trucs comme ça, quoi. C'est normal d'avoir peur, Francis. Ça veut dire qu'on est bien vivant. On tient à la vie, c'est tout. J'attends qu'une seule chose, c'est de me retrouver face à ce type. C'est pour ça qu'on est là, non ? Sauf que dans cette hypothèse, c'est pas de lui que j'ai peur, mais de moi. Francis, ne me faites pas regretter d'avoir tout fait pour vous emmener avec nous. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Tiens, tiens, tiens. Qui est-ce qui dort pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis, maman, tu pourras aller asseoir dormir sur le bateau de papa ? Bien sûr. D'abord, tu vas récupérer ici, dans un vrai lit. Je parle avec la musique à fond toute la nuit. T'aimes pas le zouk ? Bof. Tu préfères Doc Gynéco ? Doc Gynéco, mais c'est quoi ça ? Bah oui, il est nu en Guadeloupe, lui aussi. Doc Gynéco. Très bien. Bonne nuit, mon petit amour. Chérie. Maman ? Oui ? T'étais contente de revoir papa ? Oui, j'étais contente. Mais tu sais, avec ton père, ce qui est bien, c'est que t'es pas les sujets de conversation qui manquent. Et Roussillon ? Roussillon ? Tu crois qu'il est vraiment amoureux ? Je sais pas. En tout cas, elle est belle, Hyacinthe, non ? Toi aussi, t'es belle, maman. Merci. Dodo. Bye, coco, pour savon, et alors, à Camille, cielo, aux habitants. Bye, coco, pour savon, et alors, à Camille, cielo, aux habitants. Jeudi, samedi, au soir. C'est vraiment joli. Vous m'avez toujours pas dit ce que vous faisiez dans la vie. Ah, à votre avis? Je sais pas. La femme qui est avec vous est très belle. Et votre amie sympathique, mais... Mais c'est pas un métier. Alors, il y a deux solutions. Soit vous entretenez le mystère parce qu'il y en a pas. Soit vous faites un métier de l'ombre. Mm-hmm. Agent secret, tueur à gages. À tout prendre, je préfère agent secret. Dites-moi, Hyacinthe, vous connaissez Sylvie Lambert ? Oui, un peu. On avait bien sympathisé toutes les deux. Mm-hmm. C'était une fille bien, gentille. Elle adorait danser, faire la fête. Et est-ce que vous savez comment elle gagnait sa vie ? Elle organisait des balades en mer pour les touristes. Tout le monde fait ça ici. Vous êtes policier, c'est ça? Normalement, vous savez qu'un agent secret répond jamais à ces questions. Ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. C'est la fatigue. Allez, cherche. Allez, allez, vous le cherche. Allez. Vas-y, cherche. Pas encore remise de vos agapes ? Disons en convalescence. Qui vous dispense du port de la tenue réglementaire ?
Je tiens à préserver le plus longtemps possible mon anonymat, lieutenant. Continue, cherche. Allez, c'est bien. Vas-y. Ah, il a trouvé le chien, il l'a trouvé. Oui, c'est bien. Allez, ok. Ça c'est pour les poules. Allez, viens. La détention de sucre en poudre a-t-elle puni par la loi? Sucre en poudre, je sais pas, mais la cocaïne, ça, oui. Des inconnus ont mis à sac le bateau de Sylvie Lambert. Ils n'ont pas touché à la drogue. Vous trouvez ça normal? Je l'emmène. Je savais même pas qu'elle était morte. Et puis moi, la drogue, j'ai jamais touché. Et elle non plus. L'autopsie a révélé qu'elle n'était pas droguée. Monsieur Monroe, vous allez vraiment avoir de gros ennuis. Le nom de celui qui vous a payé si grassement pour votre petite promenade en mer. Puis merde. D'abord, j'étais engagé uniquement pour transporter les touristes. S'ils ont de la dope sur eux, j'y peux rien. Son nom. Kunda. Oscar Kunda. Kunda? Et où est-ce qu'on peut trouver ton putain de Kunda? J'en sais rien. J'ai parlé au téléphone, j'ai jamais vu, je vous le jure. Et le fruit, comment que l'armée, comment? Oh, en liquide dans une enveloppe à la poste. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Si Kunda apprend que j'ai balancé, il va me buter. On va vous garder au frais pendant quelques temps. Gardien. Ce salopardement, il se fout de nous, c'est évident. Alors quoi, tu veux qu'on passe à la GGN, qu'on lui tape dessus à coups de bottin pour qu'il avoue n'importe quoi? Écoute, Pierre, j'ai aucune leçon à recevoir de toi. Oh là là, Francis, tu pètes les plombs, tu me fous la trouille. T'as fait une belle connerie en venant ici. Ah bon? Vas-y, déballe tout, mon vieux. Allez, vas-y, déballe. Regarde comme t'es excité, là, arrête. Arrêtez, c'est ridicule. On est sur la bonne voie, on va bien pouvoir lui mettre la main dessus à Skunda. Ouais, comment? Ben, on fait preuve d'un peu d'intelligence et de beaucoup de persuasion. D'abord, votre plan s'apparente à de la provocation pure et simple, ce qui est totalement illégal. Il s'agit d'une affaire de stupéfiants. Ça n'y change rien. Ensuite, vous allez agir hors des zones territoriales où il nous sera pratiquement impossible d'intervenir en cas de pépin. Eh ben, vous n'avez qu'à mettre ça sur le dos des métros, hein? Mon lieutenant, je serai en liaison radio constante et codée avec vous, mes hommes, l'affaire maritime et les douanes. Il n'y a aucun risque. Vous avez trouvé un skipper pour prendre la place de Monroe? Tout ça sans vous faire remarquer, bien sûr. Pour le skipper, j'ai ma petite idée. Et pour le reste, je compte appareiller à l'aube et dans la plus grande discrétion. Maintenant, imaginons que je refuse. Vous faites quoi? Auxiliaire de police, cela, tu ne l'avais encore jamais faite, hein? Tu devrais être content, ça te change de te faire traiter en boxer short. Et au moins, ce voyage qu'on devait faire ensemble il y a 10 ans. Oh, alors là, Isabelle, je serais toi, je ne m'étendrais pas trop sur le sujet, hein? Bon, je peux sortir maintenant. Non, avec une bonne paire de jumelles, on peut encore nous voir. Oh, tu vas pas faire cette tête-là pendant toute la traversée? Aurais-tu l'extrême obligeance de bien vouloir me servir une tasse de café, Isabelle, s'il te plaît? Voilà la bonne attitude. Un langage châtié, des manières courtoises, digne d'un équipage partant faire le tour du monde. Ouais. Bah, si on tient 2 jours, ce sera déjà pas mal. Alpha Bravo, Alpha Bravo. Ouais. Vas-y, va répondre. J'y vais. Vous recevez, j'appelle Zigane. J'arrive. Alpha Bravo, j'appelle Zigane. Répondez. Transmettez Bravo. Rien à signaler sur la terre ferme. Votre départ est passé totalement inaperçu. Bien reçu, Bravo. Je reste sur écoute permanente. Terminé. Comment tu fais pour fumer dans un endroit pareil? C'est irrespirable ici. Votre petite engueulade hier soir, je vois. Tout même. Non, mais tu me fous un peu la trouille en ce moment. Hein. Attends, tu veux pas recommencer? Il marche plutôt bien son bateau à Monroe. Bah, tu te débrouilles bien à la roue. Garde cap, ma fille. Eh bien, tu finiras par avoir le pied marin. Il est génial, Nicolas.
J'aurais jamais pensé qu'il accepte aussi facilement de ne pas nous accompagner en mer. Il a été bien élevé, non? À la dure. Dans ses lettres, il dit toujours que tout va bien. Qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai, ça? Mis à part quelques petits coups de blues de temps en temps, oui. Il se confie peu. Et je sais que tu lui manques souvent. Ouais. Moi aussi, il me manque. Mais je me vois tellement mal retourner en métropole. Je péterai les plombs. T'as une fiancée? Pardon? T'as très bien compris ce que je t'ai dit. Est-ce que t'as une fiancée? Mais puisque tu te fais du souci pour moi, je te rassure tout de suite, j'ai pas mené une vie de moine pendant 10 ans. Ouais. Enfin, si tu veux savoir si j'ai quelqu'un de sérieux, c'est... Et toi? Mais c'est incroyable ce que tu peux être curieux. Hein. Est-ce que je t'en pose, moi, des questions? Oh, pardon. Pardon, pardon. Ça n'arrivera à rien. Kunda prend des précautions incroyables, personne ne l'a jamais vu. Tout est cloisonné autour de lui. À moins que Monroe ait tout inventé. Que Kunda et lui ne fassent qu'un seul et même homme pendant que tu y es. Pourquoi pas? C'est pas Monroe qui a assassiné Sylvie Lambert. Il n'a pas quitté la Guadeloupe depuis des siècles, il a un alibi en béton, on a vérifié. Puis franchement, je vois mal cette épave diriger un trafic de drogue international. Il y avait à peine 20 grammes de coke sur le bateau de Sylvie. J'ai déjà vu mieux comme trafic international. Saint-Fussy, terminus, tout le monde descend. Je me demande bien ce qu'on va trouver ici. Appelle les consignes, Hervé. Naturelles et des contractions. Ah, tu parles, c'est facile à dire. Et si Kunda, il nous attend avec sa mitrailleuse parce qu'il a repéré notre petite truse. Et si on tombe sur un banc de baleine et si on se fait bouffer par les requins, c'est ça? Ça va, ça va. Vous êtes Monroe? Oui, bien sûr. Et vous? Agnès. Vous devez être seul. Je suis sa sœur. J'ai tellement insisté pour l'accompagner qu'il n'a pas pu refuser. Kunda vous a pas prévenu? Je connais pas Kunda. C'est une fille? Comment s'appelle-t-elle? Joanna. Son père est brésilien. Bon, on y va? Non. Je veux pas rentrer de nuit. On partira demain à l'aube. Absolument que j'arrive à fouiller son sac. Et on fait comment? Tu l'occupes, tu détournes son attention. Je détourne son attention. T'es marrant, toi. Bon, écoute, elle est plutôt jolie, non? Alors, je sais pas, moi, trouve un sujet de conversation, tu feras ça très bien. Bah, voyons. Non, Isabelle! Isabelle! Pas vrai. Gardeau. Alors, vous connaissez la Guadeloupe? On est vraiment obligé de faire la conversation. Isabelle! Isabelle! Tu t'occupes pas du bébé? Si, si, je m'en occupe, je m'en occupe. Il doit avoir faim, non? Ça va? Bon, alors, si on veut partir à la fraîche, il faut aller se coucher. Il n'y a rien dans les couches du bébé, rien dans sa valise. J'ai l'impression qu'on s'est complètement planté. Bah, il faut fouiller le bébé.
Il est peut-être farci de drogue, d'armes, de dynamite. Pas moi. Bébé. Quoi? J'ai dit une connerie? N'hésitez pas à demander hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Vous voulez un verre de jus avec moi? Avec plaisir. Allez, vous croyez à l'astrologie? L'astrologie? Oui, oh, je sais, ça paraît un petit peu banal, mais ça fait passer le temps. Vous connaissez son signe astral? Excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous me donnez sa date de naissance, je pourrais lui faire son thème pendant que vous vous reposez. Mais à quoi vous jouez? Ça suffit maintenant, oui? Vous avez peur, Agnès. Vous avez peur de quoi? Qu'êtes-vous? Gendarmerie nationale. Nom et prénom. Agnès Le Sage. Lionel et Jeanne Dupré, enfant Johanna, originaire de Grenoble. Ça, c'est quoi? Il y a un truc qui cloche, là. Merde! Agnès! Arrêtez! Brigitte, pas, je m'implante. Vous pouvez aller nulle part. On est en pleine mer, là. Vous pouvez pas vous enfuir. J'aurais préféré qu'on me vole à mes parents aussi. Et qu'on me vende à une vraie famille. J'en serais pas là aujourd'hui. Allez, va-t'en. Lâchez ça. Calmez-vous. C'est fini. Allez, c'est fini, c'est fini. Un trafic d'enfants, vous êtes sûr? Je veux une recherche immédiate sur un couple arrivé en Guadeloupe il y a quelques jours, les Dupré. J'appelle. Delta, uniforme, papa, Roméo, Echo. Prénom, Lionel et Jeanne. Sans difficulté. Bien joué. Et qu'est-ce qu'elle a dit sur Kunda, Agnès Le Sage? Elle prétend qu'elle lui a juste parlé au téléphone. Ça m'aurait étonné. Et Nicolas? Il dîne chez les parents de Manu, et cette nuit, il dormira dans ma chambre. À part ça, RAS. Merci pour tout. Terminé. Terminé. Bon, ben, Le Sage Agnès inconnu au fichier. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque tout de suite les recherches sur Dupré? Ouais, on commence par les agences de voyage, les hôtels et les compagnies aériennes. C'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Dis donc, tu l'as perçu, Nicolas, ce matin? Il est à la plage avec Manu. Oh là, le déjeuner, on va se faire engueuler, nous. Elle est où, ta mère? Dans une autre ville, je sais pas où, pour son boulot. Et ton père, il est flic aussi? Mon père? Non, pas du tout. Mes parents sont divorcés. Lui, il habite à Paris, je le vois pas souvent. Un jour, je te dirai un grand, mais un hyper grand secret. Quoi, comme genre de secret? Bah, regardez. Et puis je te le dirai si toi aussi tu m'en dis un. Et qu'est-ce que tu veux que je te raconte comme super secret? Bah, à te voir, moustique. Le premier arrivé. Allez! Allez, on fait la course! Fatigué. Voler des mômes. Voler des mômes, putain. Je crois bien qu'il n'y a rien de plus dégueulasse. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. D'accord, adopter un enfant, c'est un vrai marathon, mais ce trafic, c'est vraiment tellement moche, tellement égoïste. Dis-moi l'autre, pourquoi tu l'as pas interrogé tout de suite? Je préfère la laisser mariner un peu. Qu'elle se pose des questions. Qu'elle ait des problèmes de conscience, si elle en a une. Pas très bavard. L'enquête va bientôt se terminer, et puis il va falloir rentrer. C'est ça qui vous rend triste? Perspective de plus vous voir, surtout. C'est gentil. Allez, les amoureux. Ça va, Jo? Les affaires marchent bien? Ah, moi, bien cool, vous, on dirait, là. Hein. Vous me disiez que votre enquête avançait. Vous savez qui a tué Sylvie Lambert?
on le sait. Enfin, on connaît que son pseudonyme, un type qui se fait appeler Kunda, Oscar Kunda. Comment vous dites ? Kunda ? Vous le connaissez ? Venez. Oscar Kunda, j'en étais sûre. Il a loué une voiture ici même il y a 2 semaines, une Seat Morbella. Vous avez ses coordonnées, son adresse sur l'ordinateur ? Eh non. Je me souviens maintenant. Il disait habiter à droite à gauche, chez des amis ou à l'hôtel. Quel souvenir précis vous avez de lui ? C'est un métro, c'est un black ? Ah, c'est un black. Ça, c'est sûr. 40 ans à peu près. Et il avait une moustache. Je m'en souviens parce que c'est de plus en plus rare, les hommes avec des moustaches. Pas chez nous, hein. Bon. Je vais envoyer un avis de recherche pour la Seat Morbella et puis demain matin, vous passerez à la brigade. On essaiera d'établir un petit portrait robot avec vos souvenirs. Merci pour ce coup de main, Hyacinthe. Si, c'est vachement sympa. Ça va pas ? Mais si je vous aide à retrouver Kunda, vous allez partir encore plus vite. Vous viendrez me voir. Et puis moi aussi. C'est moi! Ici Kunda, je veux parler à... Agnès, elle dort, là! Réveille-la! Monroe, tu m'entends? Oui, oui! Seconde! Oui, c'est moi, Agnès! Pas de problème. Pas de problème. Remise du paquet à 17h à la Rivière Salée. Reçu? Rivière Salée, demain, d'accord. Ça. Peut-être le menton un peu plus gros et les cheveux plus courts. Voilà. Et là ? Ah oui. Ouais, c'est ça. Enfin, je crois. Tu m'imprimes, s'il te plaît ? Ok. Bon, on va faxer ça à l'IRCG. Où ça ? Institut de recherche criminelle. Comme ça, ils pourront faire des études comparatives, des photos des individus déjà connus dans les services. Merci. Ouais, mais si Kunda n'a jamais été arrêté auparavant ? C'est autre chose, hein. Bonjour. Bonjour. Francis, je te présente Oscar Kunda. Bien joué. Un coup de chance. Profitons bien, mon petit bonhomme, on va se retrouver tous les deux. Je peux m'en aller ? Bien sûr, Hyacinthe. Plus tard. Hein. À plus tard. Plus tard. Oh, je suis là, réveille-toi. Elle est mignonne. Non, c'est pas moi qui m'occupais des papiers d'identité. Qui alors ? Des types beaux brésiliens. En contact avec un employé de l'ambassade de France. Il va entendre parler de nous, celui-là. Et ce bébé, vous l'avez volé à qui ? J'en ai aucune idée, je suis qu'une intermédiaire. On remuera ciel et terre s'il le faut, mais on le rendra à ses parents. C'est pas la première fois que vous faites cette traversée. Vous connaissiez Sylvie Lambert. Vous la connaissiez, oui ou non ? Elle voulait tout balancer. Comment le savez-vous ? Elle en pouvait plus, elle trouvait tout ça dégueulasse. Je sais que vous me prenez pour un monstre, mais je m'en fous. De toute façon, tous ces gosses là-bas, ils auraient été malheureux dans leur famille. Non, pas ça. Pas ça, s'il vous plaît. C'est un peu trop facile. Dites-moi simplement que c'était un moyen de gagner de l'argent facilement et je vous croirais. J'étais sur la route en galère, plus un sou en poche. Personne n'a appelé au secours. Et puis on m'a proposé ça. Oui, je vous le dis. C'est un moyen facile de gagner du fric. Cette fois-ci, je veux bien vous croire. Oui, en effet, monsieur et madame Dupré sont arrivés chez nous hier en fin de journée.
Dire pas les sous notre nez. On a été très fort sur ce coup. Ils occupent la chambre 827. Et ils sont dans leur chambre à cette heure-là? Hyacinthe, avez-vous les Dupré sur vos listes? Les Dupré, vous dites? Alors... Oui, ils sont partis ce matin pour l'excursion. Quel endroit? C'est un circuit découverte autour de la Soufrière. Ils devraient être là dans la soirée. Des soucis? Non, rien de grave. Merci encore, Brigitte. Brigitte? Nicolas est dans le secteur? À la piscine avec Manu. Rivière, j'écoute. Oui, Isabelle, dans 2 heures. On y sera. Tu m'attends 2 minutes, je reviens. Dans ces cas-là, font passer les menottes ou je couche avec vous en échange de votre silence. Où avez-vous trouvé ça? Ici, c'est pas difficile. Pourquoi vous faites ça, merde? Et dites-moi que c'est occasionnel, que c'est un accident, et puis on n'en parlera plus. Mais vous savez rien de moi. Rien. Vous pouvez pas comprendre. Je vous la confie, lieutenant. Beau travail, Isabelle. Alors, ça s'est bien passé? Super. Dis donc, pour le petit frère ou la petite sœur, vous n'avez pas perdu de temps? Ah ben... Au fait, avec Manu, on voulait aller faire du vélo. Mmh. Je peux? Oui, d'accord. Et ben, en attendant, je l'embarque. Ok. Hein? Sébastien. Ouais. Amusez-vous bien tous les deux. Allez. Et Monroe? Mais je pense qu'il n'était pas au courant du trafic. Mais j'ai demandé la prolongation de sa garde à vue. Le temps d'y voir plus clair. Mmh. Vous en avez mis du temps pour arriver? Vous avez une salle, mais une Roussillon. Vous êtes sûr que vous dormez suffisamment? Oui, comme un bébé. Merci. Et le bébé, justement, on en fait quoi? Non, vous en faites pas, la DAS a été contactée. Allez, viens, mon gars. En attendant qu'on retrouve ses vrais parents, ils prendront soin d'elle. Et les... On les cueille en douceur, alors retour à l'hôtel. Bon, en attendant, je vais passer à la brigade pour prendre la déposition de massage. Avec moi, Nelson? Oui, on y va. On y va. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Bon, et le portrait robot d'Oscar Kunda? Pour le moment, rien. Pas plus sur la Seat qu'il a loué. Vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre? Un seulement? Mais vous plaisantez. Sylvie Lambert prend Sainte-Marthe. Oui. Oscar Kunda loue une voiture à l'hôtel Sainte-Marthe. Ouais. Et les époux Dupré descendent également à l'hôtel Sainte-Marthe, je sais. Eh bien, ça commence à faire beaucoup. Conclusion? Conclusion, on ne s'emballe pas, même si on en a très envie. Non. Allez, en route. Oui. Non, on imagine que c'est tout plat, il y a que de la carne et tout, et puis en fait, franchement... Monsieur Madame Dupré? Oui, c'est nous. Votre carte, Rivière. Vous parlez un instant? Oui, bien sûr. Dans votre chambre? Ok. On vous suit. Comment ça, des bébés volés? C'est bien votre nom sur ce livret de famille. Oui. Et ce prénom-là, Johanna, c'est votre fille? Oui, enfin, c'est-à-dire que... Nous l'avons adoptée. Adoptée? Vous voulez pas plutôt dire achetée dans un catalogue par correspondance? Monsieur Dupré, nous enquêtons sur un vaste trafic d'enfants issus d'Amérique latine. C'est comme ça que nous sommes tombés sur ce bébé. Oh mon Dieu! C'est elle? Il s'agit d'une entreprise criminelle à laquelle vous participez. Nous ne savions pas que... Vous ne saviez pas? Asseyez-vous! Qu'est-ce que vous croyez, bordel? Que ces bébés sont tombés du ciel? Qu'ils sont nés dans un champ de canne à sucre?
On nous avait dit qu'ils étaient orphelins. Qui ? Qui vous a contacté ? Qui vous a proposé en main ce marché monstrueux ? Qui ? Mais ça s'est toujours fait par téléphone. Et la photo aussi, vous l'avez eue par téléphone ? Mais non, mais... Tais-toi. Nous n'avons rien à vous dire. C'est nous les victimes de cette escroquerie, nous. Nous voulons parler à notre avocat. Vous le verrez, en temps et en heure. Pour le moment, vous ne bougez pas d'ici. Rivière ? J'espère que cette histoire vous a coûté un maximum. Un jour, mon père m'a emmené ici pour me dire un truc vachement important. Depuis, c'est ma cachette secrète. Et personne n'est au courant ? Bah, sauf toi maintenant. Tu le diras à personne ? Quoi ? Mon secret. Promis. Et après, tu me dis le tien ? Ok. Bah, mes parents, c'est pas mes parents. Brigitte et Christian ? Ils m'ont adopté quand j'étais tout petit. Oh vache. Et ça fait quoi d'être adopté ? Bah j'y pense pas trop. Et puis mes vrais parents, ils sont morts. C'est triste. Mais je les ai jamais connus, alors c'est moins triste. Tu comprends ? Ouais. Tu sais, c'est marrant parce que ma mère, elle fait une enquête sur les enfants adoptés. Enfin, volés à leurs parents, si tu veux. Sauf que moi, j'ai pas été volée. Bon, à toi de me dire ton secret maintenant. Tu le répéteras à personne. Juré. Tu sais, Hervé... J'ai qu'un gros catamaran, l'Adélaïde 2. Bah, c'est mon père. Ton père ? Ouais, ils sont divorcés depuis vachement longtemps. Et ça te fait quoi ? Ben, j'espère qu'un jour ils se remettront ensemble et qu'on partira tous les trois faire du bateau. Merci. Ça, c'est sympa. Merci. Ah, c'est le charme. Tout le monde est en place ? Personne ne bouge en attendant que Kunda se manifeste. J'espère qu'il sera au rendez-vous. Pas d'embrouille, Agnès, c'est compris ? Sinon, je ferai personnellement obstacle à toute réduction de peine. 16h52, vous pouvez y aller. J'espère qu'il ne verra pas trop vite qu'on a mis un baigneur à la place du bébé. C'est bientôt l'heure. Vigilance pour tout le monde. Bien sûr, on est prêt à intervenir. Delta, vous voyez quelque chose ? Négatif. Négatif pour nous également. 17h12, mais qu'est-ce qu'ils foutent, merde ? On attend encore un quart d'heure et on lève le camp. Un scooter déboule. Un seul individu à bord, signalement correspondant. On n'intervient pas avant mon top. Prénom Stanley. Arrivé hier soir de Cincinnati, profession géologue. Laisse tomber.
Excusez-nous, monsieur, mais désolé. Sorry, sir. It's a mistake. Sorry. Sorry. A mistake? Yeah. Linda a su qu'on lui tendait un piège, je ne vois pas d'autre explication. Qui a pu le mettre au courant? Vos seules et uniques pistes restent les époux Dupré. Malheureusement, ils ne veulent toujours pas desserrer les dents. Je commence à me demander si on court pas après un fantôme. Sauf que c'est pas un fantôme qui m'a tiré dessus. Allez, on rentre. Non, nous ne vous dirons rien de plus que ce que nous avons dit. Vous ne nous avez rien dit. Nous voulons surtout rentrer chez nous en métropole, vous comprenez? Oubliez ce cauchemar. Madame Dupré, votre retour n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Je vous rappelle que vous allez être mise en examen et placée sous mandat de dépôt. Pourquoi, bon sang? Complicité d'enlèvement d'enfants, séquestration, appartenance à une organisation criminelle. Des infractions qui vont vous conduire tout droit aux assises. C'est pas possible. À moins que vous décidiez de changer d'avis. Vous avez toute la nuit pour réfléchir. Isabelle. Tiens. Quand est-ce que t'arrêteras de te faire bouffer par ton boulot? Excuse-moi. Quand le monde sera devenu parfait. Qu'il n'y aura plus d'assassins, de violeurs, de cinglés. J'ai l'impression que ce jour-là, tu t'ennuieras à mourir. Nicolas a pas voulu t'accompagner? Oh, il ne quitte plus son grand copain Manu. J'ai l'impression qu'il fait tout ce qu'il peut pour qu'on passe le maximum de temps tête à tête, toi et moi. Alors, c'est pas la peine de lui donner de faux espoirs. Ferme les yeux. Non, mais j'ai horreur des surprises. Non, ferme les yeux. Ne dis rien. Ne dis rien. Donne-moi la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai 40 ans. Quel rapport? La récréation est terminée et le vieux loup de mer pose son sac. Il rentre en métropole où il a une famille qui a besoin de lui. Une famille qu'il aime. Et qu'il est grand temps pour lui d'assumer et d'essayer d'attraper le temps perdu. Je suis toujours aussi chiante, Hervé. J'ai pas changé. Je suis toujours aussi prise par mon boulot. C'est toi qui viens de me le dire. Oui, mais moi, j'ai changé. Moi, j'ai mûri. Je me suis libérée de ma liberté. On ne peut pas tirer un trait comme ça sur 10 ans de notre vie. Si, on peut. Alors imagine qu'on reparte à zéro et que ça ne marche pas. Ce serait terrible pour Nicolas. On n'a pas le droit de lui infliger ça. Je vois que tu choisis l'hypothèse optimiste. C'est vrai qu'on s'entend bien, toi et moi. Qu'on s'aime bien. Mais on s'aime plus. Et vous êtes sûr qu'il y a un rapport? À vous de voir, adjudant. D'accord, j'arrive.
réveiller, mon écho. Il est encore tôt, tu sais. Tu peux rester au lit. Tu vas encore travailler? Je suis pas en vacances, mon écho. Ça, j'avais remarqué. Attends, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi comme cadeau? Tiens, c'est un cerf-volant. Waouh, génial! Je pense que Manu t'apprendra à t'en servir. Merci, maman. C'est super. Tu l'as acheté à Joe? Mais non, je l'ai cherché partout sur le port. Je l'ai pas trouvé. Il a disparu. Tu me détestes un petit peu moins? Un tout petit peu! Je passe te prendre pour déjeuner, ok? Ok. Excuse-moi. Il n'est pas là. Monsieur Sénéchal ? Oui ? Hyacinthe n'est pas là ? Ah, elle est malade, depuis hier. La fatigue, sûrement. Ouais. Je pourrais la voir chez elle, peut-être ? Il faudrait mieux appeler d'abord. Attends, merci. Alors ? Vos affaires, ça avance ? Quelles affaires ? Je parle pas de votre vie privée. Votre enquête, là. Ça avance, en effet. Et de plus en plus vite. À la bonne heure. Merci. Merci. Bon, allez, il y a du nouveau. Messieurs, j'ai peut-être une piste. Génial. Nous venons de vérifier. Le numéro du moteur correspond bien à la Seat louée par Kunda à la résidence il y a 2 semaines. Et le cadavre? Complètement carbonisé. Il faudra attendre les résultats de l'autopsie avant de se prononcer sur l'heure de la mort, le sexe de la victime, et j'espère son identité. Et pour vous, il s'agit bien de Kunda? Il y a de fortes chances, en effet. J'ai demandé au légiste de nous communiquer au plus vite ses empreintes dentaires, enfin si c'est possible dans son état. C'est notre seule chance de lui donner un nom. Tiens, Francis, tu m'aides, s'il te plaît? Ouah, merci. Oh, mais vu les traces de pneus, là, le gars est trop vite, il a dérapé, puis il est tombé dans le fossé, hein. C'est tout. C'est des jours qu'on court après Skunda au moment de lui mettre la main dessus, comme par hasard, et il meurt bêtement dans un accident de la route. Vous avez raison, Isabelle, cette histoire est de plus en plus tordue. Je sais bien ce que vous pensez depuis quelques jours, Isabelle. Mais je vous préviens, Sénéchal est quelqu'un de bien, d'estimé. Vous savez, ici, les réputations se font et se défont très vite. Ne le mettez pas en cause avant d'avoir autre chose que de simples soupçons. Je vous rassure, mon lieutenant, ce n'est pas du tout ma façon de travailler. Par contre, j'attends un dossier sur lui complet, sur son passé, sa situation financière et familiale. Il vous attend au bureau. Très bien. Je peux vous parler 2 minutes, s'il vous plaît? Excusez-moi. Est-ce que je peux m'absenter 2 petites heures, à peu près? Pour les besoins de l'enquête? Non, affaire personnelle. Faites attention à vous, Roussillon. D'accord, merci. C'est Yacine Brisac. Je cherche à la joindre, mais ça répond pas chez elle. Vous savez pas où je peux la trouver par hasard? Elle est à l'hôpital! Vous la connaissez bien? Oui, enfin pas mal. Pourquoi? Après ça, elle aura besoin d'un suivi sérieux. Après quoi, docteur? Gestion massive de tranquillisants et d'alcool associée à une sérieuse dose de cocaïne. Elle avait vraiment envie d'en finir, votre amie. Je vais vous demander d'attendre un peu avant de la voir. Ses soins ne sont pas terminés. D'accord.
Les messages du sergent. Isabelle, ça y est, j'ai les renseignements. Sénéchal Christian, 52 ans, marié depuis 15 ans à Brigitte Mercier, un enfant Manu, gérant et actionnaire de la résidence Sainte-Marthe depuis 5 ans. Situation financière ? De gros emprunts à la banque, des placements hasardeux, pas fameux. Il a frisé la faillite l'année dernière, sauvé de justesse par un versement en fin d'année. Bref, une situation délicate mais pas catastrophique. Laurent, j'écoute. Faites-les monter. Merci. Je vous laisse le dossier. Okay. Il serait intéressant de se renseigner sur la provenance de ce versement. Et Roussillon qui rentre pas. Il s'est passé quelque chose de spécial pendant mon voyage à Sainte-Lucie ou... Je pense qu'il est tombé raide dingue de cette petite Hyacinthe. Entrez. Voilà, on a réfléchi et... On veut vous parler de la façon dont on a été contacté à Grenoble. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Hyacinthe ? Je sais pas. C'est à cause de ce que j'ai vu l'autre jour ? Je n'ai parlé à personne. Il va falloir vous soigner maintenant. Il existe des traitements très au point pour se désintoxiquer. Si avec ça, ma vie n'est qu'une suite d'échecs. Hyacinthe, vous êtes jeune. Vous avez toute la vie pour reconstruire. Si rien, ça peut arriver à tout le monde, vous savez. Excusez-moi. Oui. Oui. Ah, vous en êtes sûr? À l'hôpital, oui. Je vous attends. Les Dupré sont formels. C'est bien Hyacinthe qui les a contactés à Grenoble à la fin de l'année dernière pour leur proposer d'adopter un enfant. Je n'arrive pas à le croire. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait le voyage. Hyacinthe était en contact avec des rabatteurs en France, eux-mêmes en liaison avec des associations d'aide à l'adoption. Ils promettaient monts et merveilles au couple et surtout, leur prenaient un maximum de fric en échange d'un service soi-disant rapide. Vous la connaissiez un petit peu. Est-ce qu'elle avait des gros besoins d'argent, des problèmes personnels? Ce que je sais, c'est qu'elle a fait une tentative de suicide, voilà, c'est tout. Si c'est quelque chose, Pierre, il faut nous le dire. Bon, elle se défonce, cocaïne. Je le sais depuis deux jours, voilà, c'est tout, je vous ai rien dit. J'ai eu tort, je sais. Bon, elle vient d'où, cette cocaïne? Quand on est toxico, c'est jamais difficile de s'en procurer. On a trouvé de la cocaïne sur le bateau de Sylvie Lambert. Est-ce qu'il y a un rapport? Je sais pas. Nous allons perquisitionner chez vous, sans doute trouver des doses. Et nous saurons très vite si elles proviennent du même lot que la poudre trouvée chez Sylvie Lambert. Encore une question. Pourquoi vous nous avez parlé de Kunda en nous parlant de sa voiture de location? Vous l'auriez découvert un jour ou l'autre. Je pensais que ça éloignerait les soupçons de moi si je vous en parlais en premier. Et pour le portrait robot? Complètement inventé. J'ai jamais vu Kunda de ma vie. Le médecin préfère que vous restiez encore quelques jours en observation. N'essayez pas de vous enfuir. Des gendarmes seront postés en permanence devant votre porte. Comment avez-vous pu participer à cette saloperie? Parce que je vaux beaucoup moins que ce que vous pensiez. C'est tout. Oui? Monsieur Sénéchal, je peux vous parler un instant? Bien sûr, oui. Tu veux nous laisser, chérie, s'il te plaît? Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Sénéchal, Hyacinthe nous a avoué qu'elle participait à un vaste trafic d'enfants. Un trafic d'enfants? Vous n'en avez jamais entendu parler? Si, je sais que ça existe, mais enfin, tellement surpris que Hyacinthe participe à un truc comme ça. Je vais être direct avec vous. Votre établissement est dans le collimateur. Oh, comment pouvez-vous parler comme ça? Je croyais que vous étiez sur la piste d'un certain Kunda. Oui. Sauf que Kunda est peut-être mort, dans des circonstances très bizarres d'ailleurs. Et il n'était sûrement pas seul à la tête de l'organisation. Et vous me soupçonnez? Oui, je vous soupçonne. Ah, sans preuve.
Les soupçons ne sont que des sentiments, ils n'ont pas besoin de preuves pour exister. Bon, ouais, bah moi je vous soupçonne d'avoir tué Kennedy, Marilyn Monroe, d'avoir fomenté l'attentat contre le pape et le vol de la TWA, hein. Je vous souhaite de garder votre sens de l'humour le plus longtemps possible, monsieur Sénéchal. Mais en attendant, nous allons éplucher vos livres de comptes, la totalité de vos communications reçues et passées. Nous allons interroger vos proches, votre famille. Il n'y aurait pas de mal, je note tout. Maintenant, écoutez-moi bien, mademoiselle. Je fais un métier difficile. Une petite rumeur et mon établissement peut couler. Alors faites bien attention. Parce que de simples soupçons peuvent se transformer en allégations mensongères et diffamatoires. Et ça, c'est puni par la loi, si mes souvenirs sont bons. Faites-moi confiance, monsieur Sénéchal. Tout cela sera fait dans la plus grande discrétion. En attendant, je vous demande de nous prévenir de tous vos déplacements. Monsieur. Bon, Sénéchal sort de temps en temps pêcher au large en bateau. Seul ? Ouais, ou avec des amis, ça dépend. Et au moment de la mort de Sylvie Lambert ? Attendez. Il est parti 2 jours à vérifier. Alors, d'abord, une bonne nouvelle. Les parents du bébé ont été retrouvés par l'administration vénézuélienne. Mmh. Ils arrivent par le prochain avion. C'est bien. Bon, maintenant, 2 choses. 1, à première vue, les communications téléphoniques de Sénéchal n'ont rien donné. 2, le liste a pu faire des relevés dentaires sur notre soi-disant Kunda. Étant donné l'état de ses dents, il a dû passer sa vie chez les dentistes. Hein. Voilà. Merci. On fait des tirages et on les faxe à tous les prothésistes et dentistes de la ville. Et tout de suite. Avec une dentition pareille, ils n'ont pas dû l'oublier. Hein. Et vous, de votre côté? Moi, j'ai transmis la dose de cocaïne au labo, celle que vous m'avez donnée. Et j'attends les résultats. Bon, ben moi... à la capitainerie et à l'aéroport, vérifier l'alibi de Sénéchal pour le jour de la mort de Sylvie. Et vous? Moi, je vais m'accorder une petite pause déjeuner familiale. Je peux? Oui, mon chef. Oui. Sans abuser, évidemment. Il marche bien ton cerf-volant? Il marche pas, il vole. Je vois que t'es de bonne humeur, ça me fait plaisir. Pourquoi t'embêtes le père de Manu? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Manu. Il me fait la tête, il veut plus me parler. Tu sais, Nicolas, c'est une affaire... C'est une histoire de gens qui volent des enfants pour les revendre à des grands riches. Voilà. Et donc, il est normal qu'on interroge tout le monde, non? Et le père de Manu, il fait quoi là-dedans? C'est ce que je cherche. Alors là, tu te plains, tu peux pas savoir. Pourquoi tu dis ça? T'as le droit de le dire. Nicolas, qu'est-ce que tu fais, là? Manu, il a été adopté par ses parents. C'est bien la preuve que c'est pas des leurs enfants. Adopté? Justement. Même qu'à cause de toi, j'ai trahi un secret. Non, je ne cache pas d'enfant dans ma piscine à double fond. En revanche, vous nous aviez caché que Manu était un enfant adopté. C'est un crime? Quand c'est fait dans les règles, non. J'ai tous les papiers officiels, tout, je peux vous les montrer si vous voulez. Mais bien sûr, vous allez nous les montrer. S'ils sont faux, on le saura très vite. Manu, mon fils, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Et je ne permettrai à personne d'y toucher. Il n'en est pas question, monsieur Sénéchal. Non. Je suis stérile. Honte de le dire. Et l'adoption, c'est l'une des plus belles choses qui existent. Parce que contrairement à certains, ce sont des enfants qu'on désire, vraiment. On désire tellement qu'on est prêt à les arracher à leur vraie famille? J'ai pas dit ça. Mais je sais que vous êtes divorcé, que votre mari est parti. Alors quelle est la position la plus enviable? Celle de votre fils ou celle de Manu? Monsieur Sénéchal, je vais vous accompagner à votre bureau et je vous prierai de n'en sortir sous aucun prétexte.
Résidence surveillée. Vous préférez un placement en garde à vue? Non, non, non. Allons-y, allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, tout va bien. Tout va bien. Arrêtez mon père. Quoi? Je comprends pas pourquoi. C'est de ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai dit ton secret. Salaud! Ah! Ah! Arrête! Arrête, tu me fais mal! C'était pour te défendre que je lui ai dit. Elle croyait que ton père volait des enfants. Mon père? Ça va pas? Si c'est pas vrai, elle le saura vite. Et il sera libéré. Laisse-moi. Fous-moi la paix. Manu! Manu, attends! Si tu baves encore une fois, je te tue. Le labo est formel. La cocaïne de Hyacinthe et celle de Sylvie sont de la même qualité, de la même origine. Je suis sûr qu'on a planqué ces deux sur le bateau de Sylvie pour nous mettre sur une fausse piste. C'est donc forcément Hyacinthe qui les a placés. Ouais, ou un complice. En ce qui concerne l'adoption de Manu, les papiers semblent authentiques. Mais enfin, j'ai quand même demandé confirmation à Paris. Accrochez-vous bien. Je viens de recevoir un appel du dispensaire des sœurs diaconesses. L'empreinte dentaire correspond à un patient qu'elle soigne bénévolement depuis des années. Joseph Martial. Joseph Martial, dit Joe. Joe? Les salauds. Ça veut dire qu'on a provoqué cet accident pour nous faire croire à la mort de Kunda. Il est donc toujours vivant. Je commence même à avoir une idée précise sur sa véritable identité. On y va. Laissez-moi rentrer, deux minutes, je vous en prie. Faut absolument que je prévienne mon mari. Manu a disparu. Oh. Avec tout ce qui se passe, j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Calme-toi, Brigitte. Tu dois pas être allée bien loin. Hein? Pour une fois, les gendarmes vont peut-être se rendre utiles. Tout. L'office Sénéchal a disparu. Lancez tout de suite un avis de recherche. On est là dans 20 minutes. Sénéchal est toujours dans son bureau? Affirmatif. Eh bien, on sait comment Sénéchal se transforme en Kunda maintenant. Perruque, maquillage, tout y est. Dire que j'avais ce salaud devant moi pendant tout ce temps. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il partira jamais sans son fils. Allez. Je vous assure, madame, je sais pas où il est. Et tu me le dirais, bien sûr. Hein, tu me le dirais? Oui. Votre mari s'est enfui, ce qui prouverait sa culpabilité. Mon mari? C'est pas possible. Je peux pas le croire, ça. Vous êtes au courant de rien? Non, je vous le promets. Il faut que je te parle.
C'est très important, c'est très grave. Si tu sais quelque chose, tu dois absolument me le dire. Je peux pas. Est-ce que tu comprends que c'est une question de vie ou de mort? Que son père est un assassin? Sa cachette. Sa cachette secrète. Mais quelle cachette secrète? Allez, maintenant. Hein? Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que tu m'as pas volé. Qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Évidemment, je t'ai pas volé. Je t'ai simplement retiré à des gens méchants qui t'auraient fait du mal. Et comment tu peux le savoir? Parce que t'es mon fils. T'es plus que mon fils. Et maman, elle le sait. Écoute, mon chéri, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre le bateau et on va partir très loin, tous les deux. D'accord? Tu me fais peur. Non, Manu, je t'aime. Je t'aime tellement. Aimer leurs enfants. Vous non plus. Donnez-moi votre arme, Sénéchal. Arrêtez. Arrête, papa. Je t'en supplie. Toi, Manu. Toi, tu sais que je t'aime, hein? Tu sais. Moi, je t'aime plus. C'est le seul service que tu puisses me rendre. Arrête, Francis! J'ai aucun service à vous rendre, Kunda. Pour tout. Bah vous, bon retour chez les métros. Métro, boulot, dodo. Et alors, ton copain Manu? Ben, il va arriver avec sa mère. Tu lui écriras, hein? Bien sûr. Et toi? Moi, je ferai mieux que ça. Je viendrai vous voir. C'est vrai? Mmh. Mais je resterai pas longtemps. Tu me rassures. J'aime bien quand vous êtes ensemble, mais j'aime bien aussi quand vous divorcez. Prends soin de toi. Allez, Nico, on largue à tribord.